Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle David Carniste. Profession. Lobbyiste. Je travaille dans la politique internationale. Lobbyiste dans quel domaine? Appliquez-vous à être plus précis. Bien. L'agroalimentaire. Majoritairement, la viande et les produits laitiers. Parallèlement, j'ai travaillé dans l'armement, l'industrie pétrochimique et nucléaire. Enfin, pendant 25 ans environ. Monsieur Carniste, savez-vous pourquoi vous êtes ici? Non, pas du tout. Vous avez été sélectionné parmi le peu de survivants de votre espèce pour répondre des actes meurtriers de cette dernière. Je vais donc vous lire les différents chefs d'accusation. Accusé du plus grand génocide d'être sensible et conscient, à raison d'un minimum de 1000 milliards de vies chaque année. Accusé d'avoir détruit et épuisé en moins de 10 000 ans d'existence la plupart des ressources naturelles de la Terre. Accusé du plus haut degré de crimes spécistes tels que la corrida, la chasse, l'élevage intensif, l'industrie de la fourrure et du cuir, les zoos, les cirques, etc., etc. La liste est bien trop longue et nous ne pouvons tout citer. Et pour finir, accusé d'avoir entraîné dans votre propre extinction la plupart des autres formes de vie. Enfin, que veut dire spéciste? Le spécisme est l'idéologie qui justifie et impose l'exploitation des animaux. Cela va du meurtre à l'esclavage en passant par la maltraitance. C'est un petit peu comme le racisme ou le sexisme, mais transposé aux animaux. Monsieur Carniste, souhaitez-vous un avocat? Non. J'assurerai ma défense seul. Bien. Je laisserai donc la parole à l'avocat de la défense, représenté ici par Maître Watson. Merci, votre honneur. Bonjour, Monsieur Carniste. Nous allons donc soulever ensemble trois points qui sont la santé publique, l'environnement et l'éthique. Trois points fondamentaux que vous avez volontairement occultés tout au long de votre carrière et qui sont à l'origine même de la disparition de votre espèce. Non, mais vous plaisantez! Qui êtes-vous pour me juger? C'est une blague, non? Une bande de macaques, de poulets, de truies, d'abominables rats. Mais je suis où, là? Laissez-moi partir, tout de suite! Monsieur Carniste, nous ne vous avons pas donné la parole. Les crimes contre lesquels vous êtes accusé sont d'une extrême gravité. Et il est possible que vous ne revoyez plus jamais la lumière du jour. Ma femme! Mes enfants! Ils sont actuellement au lieu sûr, et vous ne pourrez les retrouver que si vous coopérez. Monsieur Carniste, savez-vous combien de gens sont morts des suites des maladies cardiovasculaires, de l'ostéoporose, du cancer du côlon, de l'obésité ou même encore du diabète de type 2? Je n'en ai aucune idée. Des millions! Et vous le savez! Quelle est la première cause de toutes ces maladies? La viande et les produits laitiers. C'est absolument faux! La viande est indispensable. À notre santé, nous avons besoin de protéines animales. Objection, votre honneur! L'accusé ment! Accordé. Monsieur Carniste, j'ai ici plus d'une cinquantaine d'études scientifiques indépendantes venant du monde entier, ainsi que celles des universités d'Harvard et d'Oxford, qui concluent toutes de l'inverse! Toutes les protéines et acides aminés se trouvent dans les végétaux, les fruits et les céréales. La quantité optimale de viande pour la santé humaine est de zéro! La viande tue plus d'humains chaque année que l'industrie du tabac. Et vous voulez me faire avaler que les produits laitiers ne sont pas indispensables à nos os? Je vais vous dire même mieux. Ils nuisent à vos os. Ils sont le facteur numéro 1 avec la viande de développement d'ostéoporose et de décalcification osseuse. Et vous, monsieur Carniste, le savez parfaitement. Citez-moi une seule espèce animale qui continue à boire du lait après son sevrage et qui en plus boit celui d'une autre espèce. Vous avez financé le scepticisme pendant des années et fait croire aux gens que cela leur était indispensable d'en consommer. Vous avez financé des campagnes de propagande journalière pour les inciter à en consommer toujours plus. Toutes ces accusations sont-elles vraies, Monsieur Carniste ?
vrai. Oui. Nous avons financé des campagnes publicitaires. Une organisation a tissé des liens avec des personnes d'influence au sein du ministère de la Santé. Nous avons également financé des études destinées aux nutritionnistes qui avaient pour objectif de démontrer l'obligation de consommer ces produits quotidiennement. Et bien entendu, nous avons contribué à diffuser ces informations à tous les médecins du pays. Comment est-il possible que les médecins ne se soient pas insurgés contre cette aberration scientifique? Ils n'étaient pas au courant. Nous avons profité du fait que les médecins n'ont quasiment aucun cours concernant la nutrition durant leurs années d'études. Donc, ils finissent par suivre les recommandations du ministère. Monsieur Carniste, comment avez-vous fait pour transformer la vie d'êtres innocents en des produits de consommation de base, indispensables et journaliers? Tout a commencé après la dernière guerre. Des gens avaient peur de revivre la faim. Alors que nous avons décidé de mettre en place l'élevage intensif et l'abattage à la chaîne. Ford, concepteur automobile, a décidé d'adopter notre système en inversant. Au lieu de faire rentrer une pièce pour en sortir plusieurs morceaux, il faisait rentrer plusieurs morceaux pour n'en sortir qu'une seule pièce à l'arrivée. Pour eux, c'était l'automobile. Et pour nous, c'était l'animal. Avant que nous parlions de l'aspect moral, nous allons établir les liens qu'ont eu votre industrie avec la destruction de l'environnement. J'appelle pour cela le Dr Karpowski, spécialiste des questions environnementales. Merci, votre honneur. Bonjour, monsieur Garniste. Savez-vous combien faut-il de litres d'eau pour produire un kilo de viande? Où voulez-vous en venir? Il faut environ 15 000 litres d'eau pour un kilo de bœuf produit. Contre seulement 900 litres pour un kilo de blé. Ce qui fait qu'un végétarien qui laisse couler l'eau 24 heures sur 24 toute une année consommera 13% de moins d'eau qu'un mangeur de viande qui est très prudent sur sa consommation. Et après, vous croyez tout de même pas qu'on va tous devenir des bouffeurs de soja à brouter de l'herbe et à sucer des cailloux, non? Parlons-en, justement. Plus de 90% du soja produit sur Terre était destiné aux animaux d'élevage intensif. C'est aussi à cause de cette industrie du meurtre que les deux tiers de la forêt amazonienne ont été détruits. La moitié de la pollution des nappes phréatiques terrestres venait encore une fois des conséquences de cette industrie du meurtre. Soit dit en passant, la pollution des sols a été aidée du dangereux désherbant Roundup, fourni et créé par votre cher partenaire financier Monsanto. Maintenant, nous allons parler de flatulence et de caca. Les vaches que vous concentriez par millions étaient devenues une des plus grandes prédatrices des océans, avec toutes les farines de poisson que vous leur faisiez manger. C'est ainsi, en donnant de la viande à un herbivore, que vous avez créé la maladie de la vache folle. Ces vaches envoyaient à elles seules dans l'atmosphère des quantités titanesques de méthane, ce qui a eu pour effet de relâcher 50% de plus de gaz à effet de serre que tous les transports réunis. Voitures, avions, bateaux, trains. Ce qui fait qu'un végétarien pourrait rouler toute sa vie en Hummer, qu'il polluerait 10 fois moins qu'un mangeur de viande qui roulerait à vélo. Vos écologistes m'ont toujours bien fait rire, tellement ils ont si peu de crédibilité à manger leur steak, tout en insultant ceux qui roulent en 4x4. L'espèce humaine s'est épuisée pendant des années à produire des millions de tonnes de céréales. Plus de 30% de cette production était destinée à nourrir les innocents prisonniers de ces élevages d'extermination que vous transformez en steak chaque jour. Toute cette production aurait pu nourrir 12 milliards d'êtres humains. C'est parfaitement minable quand on sait que plus de 3 millions d'enfants mouraient de faim chaque année
et que plus d'un milliard d'êtres humains ne mangeaient pas à leur faim. C'est parfaitement scandaleux! Pour assouvir votre désir toujours plus insatiable et malsain de chair, de tendons et de sang, il vous fallait mathématiquement 3 planètes. Vous avez créé un système consumériste, basé sur une croissance infinie, dans un monde fini au niveau de ses ressources. Vous avez détruit ce monde qui vous a donné la vie. Reprenez, s'il vous plaît, docteur. Donc, comme nous le disions précédemment, des millions de tonnes de déjections animales étaient déversées sur les sols, ce qui a eu pour effet de les détruire et de polluer les nappes phréatiques terrestres. Alors, vous avez décidé de les déverser dans la mer, ce qui a eu pour effet de générer l'apparition de phénomènes tels que l'algue verte qui a envahi la Bretagne, mais aussi fait augmenter le taux d'acidité des océans. Les coraux, qui sont à la base de la vie en mer, ont commencé à s'éteindre. Puis est venu le tour des poissons, dont 7 des 10 plus grandes espèces étaient déjà au bord du dépeuplement total, à cause de votre pêche intensive. Le phytoplancton, lui aussi a fini par s'éteindre. Il fournissait 50% de l'oxygène de la planète. Les requins, qui régulaient la vie marine depuis 450 millions d'années, étaient un pilier fondateur de l'équilibre des écosystèmes marins. Vous avez massacré 90% de leur population en moins de 10 ans. Les requins tuaient moins d'humains que les moustiques ou les éléphants. Chaque année, 10 000 espèces animales disparaissaient. Et chaque jour, 5 espèces végétales s'éteignaient. C'est alors que vous avez déclenché la 6e extinction massive de toute l'histoire de la Terre. Vous en étiez la cause. Et vous en avez été la victime. Monsieur Carniste, confirmez-vous la réalité des faits. Des preuves, des chiffres, des études, des statistiques. Et blablabla. Nous vivions dans un monde consumériste. Mon rôle était de créer des besoins, de générer des profits. Et je faisais tout ceci légalement. Murmant de quelle loi était-ce légal? Celle des hommes! Et les lois immuables de la vie, qu'en faites-vous? Beaucoup trop d'humains se comportaient comme des adolescents mégalos, à admirer et à glorifier leurs bêtises. À penser qu'ils sont LA création divine par excellence. Et pour cela, vous avez même écrit 3 best-sellers où vous vous autoproclamiez être la plus belle création de Dieu. Ce qui évidemment a légitimé aux hommes d'asservir et de persécuter les noirs, les femmes et les homosexuels. Mais aussi cela vous a fait vous sentir supérieur à toutes les autres espèces. Il est intéressant de noter que comme vous, tous les animaux possèdent une langue pour goûter, des yeux pour voir, des organes pour digérer, un sexe pour se reproduire. Mais seul vous étiez capable d'utiliser votre cerveau, alors que tous les animaux possèdent un. Le pire dans tout ça, c'est que de très grands savants avaient démontré scientifiquement que vous mentiez, signant en 2012 la Déclaration internationale de la conscience animale. J'en ai rien à foutre. Laissez-moi partir. Vous n'avez pas le droit de me séquestrer. Laissez-moi partir. Maintenant. Monsieur Carniste, ici personne n'entendra vos cris. Aucun compromis ni pot de vin ne sera toléré. Vous n'êtes plus jugé par l'homme, mais par ceux que vous avez massacrés. Alors, assumez vos actes. Monsieur Garniste, vous avez travaillé dans l'armement, si je ne m'abuse. J'aimerais que vous disiez au jury combien d'argent était investi dans l'industrie de la guerre chaque année. Bien. 1464 milliards de dollars. C'est parfaitement minable quand on sait à quel point votre espèce souffrait de la pauvreté, du manque de soins et de la malnutrition. Au lieu de ça, vous préfériez investir dans le massacre d'innocents. Monsieur Carniste, grâce à vos médias, votre système éducatif obsolète et vos politiciens corrompus, vous avez enseigné aux humains à avoir cette fâcheuse et si stupide tendance à hiérarchiser les causes.
a pensé que sauver son économie était plus important que sauver les océans, les forêts ou les animaux qui y vivent. C'est cette vision séquencée de la vie et centrée sur votre espèce qui a tout détruit. C'est comme tous ces humains qui refusent de visiter des orphelinats, des SPA sous prétexte que cela leur fait trop mal au cœur, alors que c'est justement parce que personne ne les visite que ces êtres y demeurent sans famille et oubliés de tous. Au lieu de ça, vous avez préféré encourager la reproduction intensive dans un monde que vous détruisiez à vue d'œil. Vous êtes une part de chaque chose sur cette planète, car tout est lié sur Terre. Elle qui est votre véritable mère, vous l'avez détruite, creusée, égorgée, polluée, et vidée de son sang. Pardon, je n'y pensais jamais. Je voulais juste gagner ma vie. Que mes enfants ne manquent de rien, que ma femme soit heureuse. Ce système était pourri, je le sais. Mais j'aimais ma vie. Objection, votre honneur. L'aimiez-vous vraiment, votre vie? J'ai ici votre dossier médical. Très intéressant. Prise de Xanax et d'alcool quotidiennement. J'ai pu lire aussi que vous avez été diagnostiqué dépressif. Pensez que je suis seul. La plupart des gens en prenaient. Ils se noyaient dans des drogues légales. Ils finissaient par craquer. Et pourquoi la pauvre? Car vous vivez dans un monde aseptisé. Vos villes ne sont plus que des vaisseaux déconnectés de la Terre. Les arbres sont enfermés dans 1 mètre carré. Les plantes n'y poussent plus. Les forêts sont rasées, l'air est pollué, votre nourriture et votre eau sont empoisonnées. Vos enfants sont malades, vos vieux sont rejetés et vos pauvres délaissés. Vos médias vous ont conditionné à vous déshumaniser. Et vous avez accepté cela. Krishnamurti disait que ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien intégré dans une société malade. Vous en êtes le parfait exemple, mais aussi sa cause. C'est facile, hein, de critiquer. On ne peut pas tous agir. Et de toute façon, même si on le voulait, eh bien on finirait par être broyés. Connaissez-vous ce merveilleux proverbe? Ceux qui veulent accomplir quelque chose de grand trouveront un moyen. Les autres des excuses. En voici un autre, qui contredit cette soi-disant impuissance que vous avez inculquée à votre peuple pour mieux asseoir vos intérêts. Essayez donc de vous endormir une nuit avec un moustique, et nous verrons lequel de vous deux empêche l'autre de dormir. Aussi petit et insignifiant que vous croyez l'être, vous avez un impact. Votre honneur, je vais passer à la dernière partie de mon argumentaire. L'éthique. Faites donc, maître. Merci, votre honneur. Monsieur Carlis, comment peut-on enseigner à un enfant l'empathie et la volonté de vivre dans un monde de paix, de justice et d'équité, si depuis sa naissance, nous lui légitimons le meurtre d'un être innocent, sensible et conscient, pour 10 minutes de plaisir gustatif? Répondez à la question. Il faut bien se nourrir. L'humain est omnivore. Nous avons mangé de la viande depuis la nuit des temps. Ça vous fait mal, à la vérité. Passez comme ça. Ça l'a toujours été, et ça le restera. Objection, mon honneur. Absolument accordé. J'appelle de nouveau le docteur Karbowski. Messieurs garnistes, ce que vous avancez n'est pas véritablement exact. Il est vrai que l'humain a été chasseur-cueilleur, mais il l'a été par besoin d'adaptation, et par nécessité de survie. Votre argument de dire manger de la viande parce qu'on l'a toujours fait est sans valeur, car vous avez aussi toujours fait la guerre, et cela ne justifie pas qu'il faut continuer de la faire. L'humain peut presque manger de tout, mais doit-il le faire pour être en bonne santé? Absolument pas! Vous pouvez digérer une quantité de viande, certes, mais vous êtes en théorie aussi capable de digérer des excréments. Devez-vous
prétexte que vous êtes capable de le faire. En manger. J'en ai marre. La viande, c'est bon. Et je m'en fous de savoir si les animaux meurent. Moi, j'aime ça. Taisez-vous! Le docteur Karabowski est ici pour exposer des faits au jury. Et votre avis sur la question ne nous intéresse guère. Alors il serait judicieux pour vous de faire du silence notre règle d'or. Continuez, docteur. Monsieur Garnist, nous allons mettre de côté les habitudes alimentaires, culturelles ou traditionnelles qui n'ont rien à faire ici. Car si l'argument de la tradition est invoqué, rappelez-vous que certains pays ont admis comme traditionnel l'excision, qui consiste à couper le clitoris d'une femme, ou encore le démembrement, ou encore la lapidation. Donc ces arguments ne sont pas valables, car vous disposiez de milliers de produits végétaux savoureux. J'aimerais ajouter que le vrai problème est que vous avez tout fait pour cacher ces solutions au monde. Vous avez participé à l'élaboration de campagnes de propagande qui incitaient les humains à consommer de la viande et des produits laitiers plusieurs fois par semaine et parfois même plusieurs fois par jour. Vous avez fait circuler des rumeurs selon lesquelles les végétaliens étaient des gens carencés, anorexiques et marginaux. Vous avez fait enfermer des activistes qui libéraient des animaux et les avaient hissés au rang de terroristes internationaux alors que vous étiez responsable du plus grand génocide d'êtres sensibles et conscients. Plus de 1 000 milliards d'animaux terrestres et aquatiques pour un plaisir égoïste de 10 minutes. Mais arrêtez de comparer les humains aux animaux. Ça n'a rien à voir. Mais qu'êtes-vous, monsieur Garnist? Un animal. Mégalomane et égocentrique, je vous l'accorde. Mais la science a quant à elle démontré que tout animal possède une conscience de soi. Ressent le plaisir, la douleur et la peur. Tout ceci à des niveaux différents de l'être humain. Mais croyez-vous qu'un enfant handicapé ou autiste, sous prétexte qu'il est plus ou moins conscient qu'un enfant dit normal, justifie le fait qu'il puisse se faire démembrer et manger pour un plaisir égoïste de 10 minutes? Vous n'avez aucun droit sur l'animal, si ce n'est un devoir, celui de les protéger et non de les détruire. Vous avez pulvérisé leur intégrité physique et psychologique en les réduisant de simples marchandises et produits de consommation. Dans votre monde, l'animal n'était pas considéré comme un individu. Vous parliez d'eux en kilos ou en tonnes. Quelle espèce, si ce n'est la vôtre, peut encore avoir pitié de vous? Le grand écrivain Isaac Bashevis Singer l'avait prédit. Je le cite. Tant que les êtres humains continueront à répandre le sang des animaux, il n'existera pas de paix dans le monde. Il n'y aura pas de justice tant que l'homme continuera d'empoigner un couteau ou un pistolet pour détruire des êtres plus faibles que lui. J'en ai fini, votre honneur. Monsieur Garnist, avez-vous quelque chose à ajouter avant que la sentence ne soit prononcée? Oui. Tout ce procès n'est qu'une mascarade. Je ne regrette rien. Tous les humains sont des moutons. Un jour, ils vous aiment. Le lendemain, ils vous détestent. Ils élisent consciemment des menteurs et des voleurs pour les diriger. Et bien sûr, ils finissent par se plaindre. Nous mentons, nous volons, nous spéculons, nous trahissons. Les animaux ne se font pas de cadeaux entre eux. Je ne vois pas pourquoi nous leur en ferions. C'est la chaîne alimentaire. Rien de rien de moi. À mes yeux, ce ne sont que des animaux. Monsieur Garnist, après concertation du jury, nous vous déclarons coupable. La sentence choisie est le démembrement, puis la transformation de votre chair en viande hachée. Produit que vous avez vous-même commercialisé. Monsieur Bidas, ici présent, va s'occuper de mener à bien l'opération. Non, non, non! Vous n'avez pas le droit! Je vous hais tous! Ah.
Hello, Monsieur Garnist. Donc, nous allons faire un petit peu d'ion d'haché, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, tu ne sentiras rien, Coco. Car je vais pratiquer un abattage. Un tour! Voilà ce que tes actes ont fait endurer à des milliards d'êtres. Et voilà ce dont tu t'es nourri toute ta vie. Aux yeux de la souffrance, tous les animaux humains ou non humains sont égaux entre eux. Maintenant que vous savez, agissez, car toutes ces catastrophes se passent à chaque seconde. Vous n'avez plus le choix, car nous ne vous lâcherons jamais.